se retrouve avec Virginie de la chaîne, j'allais dire Nini à chaque fois, Virginie de la chaîne Les Folies de Nini. Je vous en avais parlé, vous l'avez vu dans une vidéo vlog, oui, spéciale action, etc. Vous avez adoré, vous avez été nombreuses d'ailleurs à aller là. Et là, merci, merci beaucoup. Hein. Donc, merci à toi aussi. Bah de rien. Aujourd'hui encore, je vous invite à aller la découvrir si vous n'avez toujours pas été voir sa chaîne et liker, etc., etc., pour aller voir ce que je vais vous faire dans notre swap spécial France-Canada, puisque oui, elle est partie au Canada, à Montréal exactement. Oui. D'ailleurs, t'as passé 2 semaines là-bas ? Non, on a fait aussi Québec, 2-3 jours à Québec, et d'ailleurs, je recommande, c'est magnifique. Moi, j'ai déjà fait. C'est super joli à voir. Et du coup, bah, n'hésitez pas à aller voir tous ses vlogs, etc., il y a des trucs très sympas à voir. Et elle m'a fait, du coup, une boîte. Moi, j'ai mis tout dans un sac, mais elle m'a mis tout dans une boîte, style un vrai soir. Donc, on va découvrir ensemble. Donc là, elle me dit qu'il y a déjà un petit cadeau pour mon fils. À chaque fois, elle fait des cadeaux pour mon fils. Faut qu'elle arrête, hein, d'ailleurs. Un petit truc. Ça vient de là-bas ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah, c'est des petits bodys. Ils sont trop mignons. Ah, il y a même le pantalon. C'est des bodys pantalons. Oui, en fait, c'est un ensemble. Je me suis dit, pour être à la maison... En fait, c'est une marque qui est là-bas. C'est une marque qui est là-bas, qui est la marque Carter's. Oui, ce que j'allais dire, je connais. Et je l'ai trouvé dans un nouveau magasin qui a ouvert à Villebon, à Costco, un magasin américain, qui font que de la vente en gros. À Villebon, mais c'est pas du tout dans le coin, Villebon. Non, c'est à 1 heure d'ici. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ok. Ah, tiens, super. Et je l'ai trouvé trop chou. Trop mignon, effectivement, c'est trop mignon. 6 mois, donc ça va lui aller parfaitement. Si, sauf qu'il n'y a pas de pantalon. C'est vrai. À la maison. On a retenu que je n'avais pas de pantalon, mais je commence à en avoir un peu maintenant, ça va. Une petite carte. T'as fait une carte et tout. Moi, j'avoue, j'ai pas fait vu qu'on se voyait en vrai. Bof. Oh, elle est trop mignonne. C'est un petit monde. Son tout premier soir. Oh, c'est trop mignon. J'ai essayé de pas faire de faute d'orthographe. Hein. Comment ça? Je suis sûre qu'il sera pas à la hauteur du tien. Ça va pas bien, toi. Je sais même pas ce qu'il y a dedans, mais non, et ça sera très bien parce que tu penses toujours à moi de toute façon. Bah, en fait, c'est pour ça que je voulais faire un swap avec elle parce que en fait, à chaque fois, elle me fait des petits cadeaux par-ci par-là pour ma fille et tout. D'ailleurs, elle pense toujours à mes enfants et moi, j'avoue, c'est pas que je pense pas à ses enfants, mais je sais pas, je suis nulle pour ça. Et du coup, elle a toujours les bonnes idées et voilà. Non, mais t'es adorable. Et d'ailleurs, c'est une de mes premières fans qui a toujours tout commenté, donc je la remercie aussi pour ça. Bon. Elle a toujours été là. C'est parce que tu le vaux bien. Hein. Attends. Merci L'Oréal. Donc elle a mis ça, tout ça dans un beau papier là, avec des paillettes, il est trop beau. Ouais. Moi c'est ma première fois donc je me la pète un peu. Attendez, je sais pas si on verra. Si, on voit bien. Et il faut que je fasse une photo, il est où mon téléphone? Oh, du coup j'ai pris ma photo. Voilà. Et ben commençons, je prends n'importe lequel alors. Oui. Oh là là, j'ai essayé de faire des devinettes mais bon. Du gold sur les mains. Bizarre. Alors je t'avoue, j'ai enveloppé, il était 2h du matin. Non, bah c'est très bien enveloppé. Oh là là, mais c'est trop beau. C'est trop beau, mais c'est une crème pour les mains, je pense, non? Elle est trop belle. C'est quoi ce packaging de crème? Ah ouais, genre, tu peux l'emmener. Et en fait, ça, je l'ai pris à part et tu peux après le mettre sur n'importe quel tube de crème. C'est de chez Bath & Body Works. J'allais dire, ça doit être un truc de là-bas parce qu'eux, ils font des trucs comme ça. C'était dans leur nouveauté. C'est trop beau! Et quand je l'ai vu, j'ai dit oh non, du gold. Ah bah ouais, non mais là. Oh là 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 là, tu ris. Bon bah déjà, ça commence bien. Mais j'ai pas senti en fait. Ça sent, je sais pas, mais ça sent trop bon. Ah ouais, ça sent bon. Parce qu'en fait, moi je l'ai pris parce que c'était gold. Ah, mais je sais pas senti. Bah, c'est vrai que le packaging est super. Ouais, je me suis dit, franchement. Et puis avec ça, je me suis dit oh non, c'est chou. Dans le sac à main. C'est une trop bonne idée. De toute façon, les Américains font trop des trucs. Bah oui. Pour encadrer le miroir de l'âne. De l'âme. Ah, de l'âme, pardon. Ça, c'est Samir qui a trouvé. Hein. Pour encadrer. Alors, vous faites des devinettes, du coup, vous deux là. Avec, le matin, avec son mari. Il me dit ça à 2h du matin, je suis oulala. Pour encadrer le miroir de l'âme. Bon, je vais pas essayer de deviner moi aussi, parce que là. Ah, mais j'ai eu du mal aussi. Hein. Sinon, ça va faire 15 minutes. C'est un mascara, c'est quoi cette... Parce qu'il m'a dit que le regard, c'est l'âme. Je suis 2h du matin, c'est dur. Donc c'est un mascara Annabelle, je connais pas du tout, un noir avec une brosse extensible. Je connais pas du tout, c'est une marque du coup que ouais, tu trouves drugstore, dans les... si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire parce que moi je connais pas tout, mais grâce à ça, je vais pouvoir faire de nouvelles découvertes quand j'aurai le droit de me maquiller. Oui, voilà. Densité et longueur, telle est sa promesse. Un autre mascara.
Ça, c'est moins, t'as vu, c'est plus simple. Oui. C'est... On voit le niveau. Ouais, ouais. Non, mais là, j'avoue que moi, je suis plus proche de toi que de ton mari, quand même, sur le coup, là. Alors, un autre mascara de CoverGirl. Je l'ai plus pour la brosse. J'ai vu à la publicité, pendant une publicité, je me suis dit, ah non, je le fais celui-là. Regardez, la brosse, elle est chelou. Du coup, tu l'as acheté? Ouais, je me suis dit. Il est trop beau. Total tease. Et du coup, ils disent qu'à la publicité, j'ai vu que c'est bien aussi pour l'extrémité. Avec la petite. Avec la petite. Pour faire plus dense, plus long et plus raffiné. Et bah, super. Alors, on va tester. C'est pas de la tarte. C'est un produit tarte, non? Mais déjà, t'as eu du mal à t'en acheter pour toi. Mais t'es une malade. Hein. Et après, tu dis que mon sop, il va être pourri. Mais toi, ça va pas bien. Hein. Je l'avais vu d'ailleurs dans plein de vidéos, cette petite palette tarte. J'ai pris une petite. Hein. Mais oui, c'est très bien. Je me suis prise la même. Mais oui, je crois que je l'avais vu. J'allais dire avec un. Tu t'es pris un autre prélève aussi. Trop bien, avec 6 petites couleurs comme ça. Oh là 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 là. Je me suis dit pour tester, en plus, je l'ai swatché là-bas. Pour tester et puis même pour l'emporter. Ouais, partout, je me suis dit franchement, en week-end et tout, j'ai c'est des couleurs en plus assez. Passe, ouais. Voilà, que tu peux utiliser tous c'est les jours. C'est vraiment des trucs. Je l'ouvrirai tout à l'heure, j'ose même pas l'ouvrir. C'est trop beau, c'est trop beau. Moi, je l'ai pas mais tu sais qu'il y a une deuxième couche en dessous, mais ça va pas bien. Mais tu sais que. Ma vidéo va durer 10 ans à cause de toi là. Mais arrête de t'inquiéter, mon sop il va être pourri à côté, c'est plutôt moi. On efface tout et on recommence. C'était dans les nouveautés aussi. Un démaquillant ou quelque chose comme ça, parce qu'on efface, démaquillant. Ah ouais, les demi. Et moi j'ai fait des trucs gentils à côté. Ah ouais, on dirait que c'est un démaquillant, c'est ça. Ah, je connais pas. Marcel, tu me fais découvrir des marques. Ah ouais, je... Donc c'est des tampons démaquillants pour les yeux express, c'est cool ça. C'est en version ça peut changer les lingettes. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien, même pour emmener en week-end et tout, c'est top. Mmh. Ah, c'est génial. Comme ça avec la boîte, et ben ça va pas sécher que des fois que les lingettes. Oui. Moi je suis une fan de ce genre de truc là. Ouais. Maquillage longue tenue, mais écoute c'est super cool. Je vous en reparlerai dans des vidéos produits terminés, etc. Est-ce qu'on voit quelque chose avec cette luminosité? Mmh. C'est pas grave. Et pourtant une gourmandise. De ce format-là. Ah ouais. Une gourmandise. Un rouge à lèvres qui sent bon la crème brûlée. Ça, t'es forte en devinette en fait. Ah ouais. Ouais. Bon, c'est pas la vie, mais trop de soi. Bah ouais, l'habitude. Moi, je suis nulle, mais... Parce que je sais que des fois, ils aiment bien mettre des noms comme ça un peu... Ah, tu l'as pas montré dans une vidéo, quelque chose comme ça, ça? J'en ai un, ouais, je m'en suis pris un, mais pas du tout le même. Annabelle, et c'est un lip size, 6, un baume à lèvres à la framboise. Moi, je me suis pris caramel, moi. Ah oui, tu vois, il focus sur ta tête. De la marque Annabelle, mais je connais pas du tout. C'est trop bien. Trop et il bien, est sympa, je trouve qu'il hydrate assez bien. Ah bah je vais tester, écoute. J'aime bien ce genre de petit truc pour mettre dans le sac à main. Il teinte et franchement il hydrate bien. Puis... J'allais ouvrir sans regarder. Coco. Oh écoute. Un baume à lèvres à la noix de coco. Tu sentais que c'était la fin, la fille elle s'est pas cassée la tête. Ah trop bien, j'ai jamais testé ce de chez Burt's Bees. Et trop bien, à la noix de coco celui-là. Ouais. Ah oui, coconut et poire. J'aime beaucoup cette marque. Trop bien, ça c'est top. Bah d'ailleurs le mien il est presque fini, donc ça va être parfait, il va aller dans ma poche, parce qu'en ce moment j'ai les lèvres gercées, c'est pour ça. La fille qui a tout en ce moment. C'est pas de la tarte. Petit point. C'est pas de la tarte ou c'est pas de. Bah si, c'est ça l'expression, c'est pas de la tarte. Mm-hmm. Mais t'as racheté trop de trucs tarte, ça va pas bien dans ta tête. Si c'est ça. Mais pourquoi t'es retournée au magasin, t'as dit mais ça va pas bien. Parce que ça coûte cher tarte hein, aux États-Unis, enfin au Canada et tout. Donc le tartéiste, c'est ça? Tartéiste, ouais. C'est le même que toi? Non. Le Beyoncé. Je t'ai pris un petit peu plus rosé. Oh, trop bien. Et puis il est top, hein, franchement. Moi, il est trop beau. C'est un peu rosé. Ouais. Je sais pas comment dire cette couleur. Il est vachement joli et puis il rend bien. Moi, j'avais tout swatché en Sephora. Il est trop beau. Et le tien, c'est une couleur comment? Un peu plus un comme peu ça? Un peu plus brune, ouais, ouais. Je te montrerai après. Trop bien, bah, deux produits tartes, tu pouvais t'arrêter là, hein, c'est bon. T'es pas obligé d'acheter le reste. Hein. Celui-là, c'est un échantillon, enfin, c'est dans les miniatures, tu sais, qu'ils font à l'entrée de à la caisse. Ouais, mais ça n'empêche que ça coûte cher quand même. Tu connais la marque? Oh, oui, tu connais. Ah, je connais, c'est sûr. Ah, oui, tu connais. Physicelle Formula.
C'est ça. Eh, hey, t'es forte. Hey. Elle est forte. Mais t'as acheté trop de trucs bien. Trop beau. T'as regardé ma Wishlist toi aussi. Hein. Mais je l'ai pas vu sur ta Wishlist. Non, mais tu sais, dans le questionnaire, j'ai dit les marques que j'aimerais bien et tout tester. Et ah, je crois qu'il y avait celle-ci. Et bah, j'ai pas fait gaffe. Non, bah, ça veut dire que tu me connais trop, tu regardes trop mes vidéos. Oh là là, ça rend pas bien. J'essaierai de faire des close-up. Mm. Moi, là, je me suis pris un blush. Viens derrière, toi. Ah, faut que je le fasse directement, en fait. Tu t'es pris un blush de cette marque. Ils sont sublimes, c'est des highlighters. Oui. Il y a un blush, et un highlight, une poudre et un bronzer, mais... Le packaging, il est fabuleux. Un contour, parfait. Du coup, un contour des lèvres, je suppose. Oh, mais M. Tu gagnerais un blind test de beauté. Mais c'est pas dur, là, un contour. Mais alors, quelle marque? Annabelle, c'est cool. Tu me fais découvrir la marque Annabelle, je connais pas du tout. Bah si, c'est vraiment les produits de drugstore que tu trouves ouais, en parapharmacie de là-bas. Et c'est un espèce de nude. Mais d'ailleurs, je pense qu'il ira bien avec le rouge à lèvres Tarte, là. Oui. Il sera pas mal. Un peu un nude rosé, vieux rose, un peu. Parfait. Je me suis dit, c'est un truc qui peut passer avec n'importe quel rouge à lèvres. Ouais. Et en plus, c'est le genre de rouge à lèvres que j'aime bien mettre quand j'ai envie de mettre un rouge à lèvres basique. Voilà. Pétillant. C'est lourd. Ça doit être peut-être une cochonnerie à manger, non? Non. Je sais pas. Non, c'est un produit de beauté aussi. Là, t'as mis que beauté, quoi. Beauté. Pétillant, là, alors comme ça, non, je sais pas. T'auras la gourmandise au fond après. Ah, bah oui, je suis nulle. Bah oui, j'ai même pas pensé à un espèce de gros, énormissime galet de bain. Bain pétillant à la fleur, ça s'appelle, c'est Bath & Body Works? Oui. C'est nouveau, ça aussi, parce qu'il fait pas avant. Pareil aussi, ouais, ouais. Trop bien, donc... Parfait. Je fais direct. Ça sent bon, ça sent frais. Je sais pas exactement ce que c'est l'odeur, mais ça sent bon. Trop bien, c'est parfait. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Hydratation à la pointe du cheveu. Ça, c'est des masques. J'attends le temps que ça remonte au cerveau. Ce sont des masques, je pense, pour cheveux, du coup. C'est cool. J'en avais testé un dans ma chambre d'hôtel parce que j'avais les cheveux pourris. Et je les avais bien aimés. C'est cool en format sachet, je trouve ça sympa. Du coup, il y a le masque Natural by Ask. Je ne connais pas du tout. Hein. Je vous les montre et si vous connaissez, voilà. Hein. Mais ça a l'air cool. T'as testé les deux ou un? J'ai testé celui-ci. Et il était bien du coup sur toi? Écoute, ouais, moi qui ai les cheveux bien secs, paillasse, et bah... Ça leur a fait du bien. Donc c'est cool. Mais moi, je vais tester alors. Jolie palette. D'ailleurs, moi, je pense que je t'ai même pas mis une palette quand même quand j'y pense. Pourquoi j'ai pas pensé? Mais il n'y en avait pas dans ta wishlist. Moi, je me suis cantonnée à ta wishlist. oui, il n'y en avait pas. Enfin, je crois pas. Non. Mais t'es une... J'ai pas tenu son. Je vais la frapper, hein. Regardez, après, c'est moi seul qui va être ridicule. T'as respecté le budget ou pas? Bah, en fin de compte, oui. Bah, mais ça, excuse-moi, mais ça coûte une fortune. Oh là là, pourquoi j'ai plus le droit de maquiller? Pourquoi j'ai fait ça maintenant? Oh là là, je suis dégoûtée. Enfin, non, je suis pas dégoûtée de ça, mais... Oh là là, c'est la palette BK. Tu l'as achetée en France ou là-bas? Je crois qu'elle vient de sortir ici. Elle était là-bas depuis longtemps et elle est en France depuis peu, là. Oui, parce que... mais je l'ai même pas vue en boutique. Je suis à Sephora. Parce que... Ah, moi, je l'ai vue. Parce que je l'ai vue dans une vidéo d'une fille et je me suis dit, ah, oh, je l'ai pas vue. Mais j'étais dégoûtée parce que je voulais me prendre la palette d'Urban Decay. Laquelle? La Arts, là, la R, la... Ah, elle est pas encore en France, elle va arriver. Elle était en vente quelques jours, là. Mais elle était là-bas depuis longtemps et je voulais me la prendre. Elle est belle, hein. Ah ouais, je suis sublimissime. Moi, je crois que je vais me la demander pour Noël. Mais t'es une folle dingue. T'as respecté le budget, mais comment t'as fait? Bah, je te disais que les produits drugstore, c'est... Oui, après, c'est vrai que y a les petits... Moi, j'ai pas pris de petits produits. Bah, c'est pas pareil en France. Tu connais tous les petits produits. Je vais pas te mettre du L'Oréal. Oh, oh, c'est trop mignon. Comment t'as fait ça? Regardez-moi ça. Bah, ça, c'est un magnète. Bah, on aurait dit que c'était... Mais oui, mais j'espère que la gérard, ça va pas... Surtout les roses. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc, il y a des roses, il y a quoi d'autre? Des Starburst. Mmh. Ah, j'aime bien ces petits trucs-là. Et oh là là, je ferai un close-up parce que ça ira plus vite. J'ose même pas l'ouvrir, c'est trop beau. Ah oui, c'est celui avec les petites boules. J'avais vu que tu en avais parlé dans une vidéo. Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, tiens, ça a l'air bon. Ils sont bons, mais t'en manges un, je crois que tu fais Nico. J'en pouvais plus à la fin, tu vois. T'as pris combien de kilos au Canada? Et bah, j'ai perdu 1 kilo. Avec tout ce que t'as mangé en poutine et tout? Ouais, mais moi, je mange pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Bon, bah, t'as de la chance, hein. Moi, je sais pas quoi dire. C'est moi celui qui a pris du poids. C'est lui qui a tout fini en fait, donc du coup, il a pris du poids. Pour un été glacé. Du thé!
Ah, ah j'aurais pu faire un jeu de mots été. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, j'en ai pensé là. Ah, trop bien. Alors ça, c'est un truc qu'elle m'a fait découvrir. C'est le David's Tea. David's Tea, je crois que ça se dit comme ça. Et j'avais adoré un de ces thés qu'elle m'a fait, je sais plus, avec des noix là. Des noix magiques. J'ai cru, je crois que j'en ai rêvé pendant 2 semaines après quand elle m'a fait goûter. J'étais là, genre... Toutes mes copines, à chaque fois, je leur fais goûter. Ah, mais c'est le truc, ça. Mais pourquoi ça a l'air pas en France, mon Dieu. D'ailleurs, j'ai découvert au Palais du Thé où ils font des bons thés. C'est vrai? Ouais, il faudra que je te fasse tester. J'ai demandé pourquoi ils pouvaient pas, en fait, maintenant. Parce que, avec la vente d'ici les États-Unis ou le Canada, ils ont peur de la fraîcheur après du thé. De pouvoir envoyer, je dis la vendeuse. Mais bon, il y a plein de groupes. Pas une super esquive. Ouais, il y a plein de groupes, il y a plein de forums qui ils veulent cette boisson. Bah oui, tu m'étonnes. Passion Punch. Just Peachy. Donc ça, c'est pour faire froid, c'est ça hein? Ouais. Et Coco Colada. Trop bien. Moi, j'ai goûté Coco Colada. Et alors, il est bon? Il est bon. J'adore, en plus en ce moment tu verras, je sais pas si t'as vu mon dernier vlog, je fais du thé glacé dedans. J'ai vu. Et du coup j'adore. J'ai déjà presque fini ma boîte de cosmétiques, enfin de love organique. Bonbon à la vanille. Ça c'est une brume. De chez Bath & Body Works. Hey, j'ai trop forte. Ma fille, je connais trop tous les packages. Ah ouais. Je sais pas celui-ci. Oh là là. Il y avait plein de nouveautés. Warm Vanilla Sugar. Elle est connue celle-ci. Mais je l'ai pas. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Ah, oh, ça sent trop bon la vanille bourbon. T'en veux? Non, ça, je te sens, t'inquiète. Oh, ça sent trop bon. C'est une... Là, c'était parfait comme odeur. C'est un peu sucré. Enfin, c'est sucré. Et c'est pas la vanille entêtante. Ouais, c'est un petit côté. Je vais pas dire frais, parce que ça serait chelou de dire ça, mais je sais pas. Ah, oh, ça sent si, trop bon. Si, il y a une petite pointe de fraîcheur avec un petit côté vanille, mais gourmande. Ouais, exactement. Ouais. Peut-être t'es forte en description. Passe-partout. Bon, c'est pour ça que je me suis pas cassé la tête. Ah, bah oui! Bah oui, non, mais j'ai même pas pensé. La forme aurait dû une sorte de petit crayon à lèvres, toujours de la marque Annabelle. Je vais pouvoir faire une revue sur la marque Annabelle, hein, c'est top. Et bah, une petite nude comme ça, et très en bien. Fait, qui ira bien. L'été, mon... voilà, juste à côté. Ah, bah oui, parfait. Avec le crayon à lèvres. Quand je les ai prises, c'était. Bah, ça, c'est top. Ça, c'est la fille qui s'est pas cassée la tête. Hop! Voilà, mais tant mieux. Mais ça, c'est bien aussi, parce que là-bas, ça permet de découvrir des marques comme ça dont on n'a jamais parlé et qui sont pas forcément hyper chères. Un peu comme Wet n Wild. Ah, je connais pas. Tu connais pas Wet n Wild? Non. Wet n Wild, je suis nulle à le dire. Mais c'est une marque un peu comme ça de supermarché, comme Milani. Tu sais, c'est des marques que tu trouves en supermarché, dans les pharmacies, etc. Okay. Qui coûtent pas trop cher. Bien sûr, quand tu les achètes enfant, ils coûtent une blinde. Et voilà, qui sont vraiment de bonne qualité. Mmh. Donc là, c'est le David's Tea aussi. Est-ce que c'est le même que tu... ou un autre, peut-être? Il existe encore, d'ailleurs, celui-là que tu m'avais fait. C'est un must-have. Ouais, c'est genre, il est toujours là. Il y est tout le temps. C'est l'intemporel. Oh là là, il y a 2 paquets. Non, mais elle m'a trop gâté. Hein. Mon sac, il est pourri. Hein. Enfin, je renvoie, je renvoie. Que je ramène d'autres choses. Mais non. Donc c'est le doigt magique, c'est celui-là. Putain, ouais. Je dis trop de gros mots dans cette vidéo, c'est horrible. Il faut absolument que ce soir quand je rentre je me fais ça. Donc c'est celui-là, non magique. Ouais, tu sais, je me suis pris 1 kilo. 1 kilo? Je me suis pris 1 kilo. Bah tu m'étonnes, il est trop bon. Et là il y a combien? Ah, je sais plus ce qu'elle a pesé comme ça, mais. Et ça c'est quoi? Ça me dit quelque chose ça? C'est du thé Barba Papa. C'est le nom Barba Papa. Donc, sur la vanille. Non, en plus ils sont soudés donc du coup. Ah trop bien. Je vais faire des gros bisous après à Virginie. Toujours propre. Ah, ça c'est un truc, un peu smooth pour les mains. Ah, trop bien, trop bien. J'adore. En plus, je suis arrivée là-bas à Bath & Body Works, c'était les soldes. Ah, trop bien, mais il y a souvent des soldes là-bas. Bah, oui, là-bas. Donc, et puis j'avais reçu par mail des réductions, je disais, ah bah. Ah ouais, sérieux? Bah, toi, je suis inscrite. Ah ouais, t'es pas bête, je vais faire ça quand je partirai. Bah oui, tu t'inscris à la newsletter. Trop beau, mais attends, elle est trop beau dans la salle de bain, ça. Regardez-moi ça, c'est nouveau packaging. Il y a, tu sais, des petites billes pour désincruster aussi. Trop beau. Elles sont légères, mais... Je sais pas si vous verrez. Si, je pense. Trop bien. Oh, trop bien. Bref, j'ai la voix qui part en cacahuète. Rien de tel que du cachemire sur le corps. Ça doit être un truc à base de cachemire, genre si le cachemire, je sais pas quoi là, ça me dit, de chez Bath & Body Works. Un lait pour le corps.
Mais c'est un packaging que je connais pas, ça date des mois. Ils ont changé, ils ont changé plein de trucs. Mais c'est pas tu montres après tous tes achats. Tu vas faire une vidéo sur tes achats? J'en ai fait quelques-uns. Ah oui, pin cachemire. Je l'ai en... Comment ça s'appelle? En truc pour les mains, là. Ah, je savais même pas. Trop bien, trop bien, trop bien. Mais j'ai... quand j'ai acheté là-bas, j'ai fait des... Ils sont ça sent trop bon. Mais la nana me les a fait sentir, j'ai dit un truc un peu floral pour toi. Et elle m'a dit celui-ci doux et floral, j'ai demandé. Elle m'a dit celui-ci. Pour tes notes, un petit carnet. Mais moi c'est vrai que j'ai pas pensé à tout ce qui est accessoires parce que je sais pas. Parce que moi je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Bah c'est sûr que là-bas tu trouves plein de choses sympas à Walmart et tout. J'étais à Dolorama, je me suis fait plaisir. Bah, il vient de Dolorama celui-là. Il est trop beau. Mais il a pris cher cette partie. Mais c'est dans quel sens? Ah bah oui, c'est comme ça. Ouais, comme ça. Oh, trop bien, en plus, j'ai failli en acheter un hier chez Action avec des petits intercalaires à l'intérieur, mais j'ai pas fait. J'ai reposé. Bah trop bien. Oh là là. Et je vais le customiser, vous verrez une vidéo, je pense. Il est trop beau. C'est la fille. tu te pousses à chaque fois. En plus. Ah, une bougie. T'as la fille. Oh. Mais bougie! Ah, tu peux pas la battre. Mais attends, t'as trop fait de cadeaux. Ah oui, sans prendre de bougie, c'est compliqué. Bah oui. White Gardenia. Ça sent la fleur. Ouais. J'allais chercher le nom. Ça sent super bon, c'est j'avais hyper peur que ça doux. Non, pas si, ça me plaît vachement. Ça sent bien quand j'ai fait sentir, il m'a dit putain, ça pue ton truc. Non, ça sent un peu. Mais ça sent c'est la fleur. C'est un mec. Non, ça sent bon, c'est doux. Ça sent la fleur, mais pas la fleur entêtante. Ouais. C'est léger. Je pense que pour mon salon, ça va être très très bien. Et ABCD, donc c'est un truc alphabet là. Ah, t'es forte en fait. Je suis une pro. Des swaps, la fille qu'on fait trop. Trop bien. Donc pareil, je pense que ça vient de chez Dolorama, un truc comme ça. Des petits alphabets comme ça colorés. C'est qu'hier j'étais en mode tri dans mes trucs et du coup, bon, l'alphabet, j'ai pas trié. Hein. Ça, je garde tout le temps parce que c'est. C'est indispensable ces trucs-là. Et ceux-là, trop beau ceux-là. Je les ai pris en double, je me suis dit ça peut toujours servir en double. Mais parce qu'en plus, c'est pas les mêmes formes de lettres. Ah oui, la fille qui avait même pas remarqué. Bon voilà, ma vidéo va durer 25 ans. Hein, c'est bon? C'est ouais. Ouais, c'est bon. Ah, t'as l'emballage. J'ai laissé l'emballage, ouais. Parce qu'à la base, il était dans l'emballage, mais j'étais en train de galérer pour l'emballer. Donc du coup, j'ai dit, oh, je l'enlève. Trop bien. Non, bah écoute, c'est parfait. Tout est over parfait. Tout est. Je sais pas quoi dire tellement c'est parfait. Merci, 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 merci Virginie. Mais faut avouer qu'elle a craqué. Hein. N'hésitez pas à me dire. Ma caméra a coupé pour changer. Il n'y avait plus de place. Mais voilà, merci, merci à Virginie. C'était juste un swap parfait. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si il vous a plu et à me dire les découvertes que vous avez fait grâce à cette vidéo. Mmh. Et bien sûr, allez voir ce que j'ai offert à Virginie qui n'est pas. Qui est bien, ma foi. Hein. J'étais contente de mon coup. Si. Mais je trouve que c'est pas assez parce qu'en même temps, il y a moins de quantité du coup. Oui, bref. Mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Sais. Mais bon, j'espère que elle est contente, donc c'est le principal. Je la gâterai à d'autres occasions, j'en suis sûre. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, à liker, etc., etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut !